Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur du Dofus pour le test de la nouvelle classe Sacrieur, donc en fait pour le test de la refonte de la classe Sacrieur. Donc je sais, je suis un peu tard, il y a beaucoup de gens qui ont fait de vidéos, mais c'est tout simplement que j'étais ban, du coup j'ai pas pu en faire. Voilà, parce que voilà, j'étais ban jusqu'au 27, voilà, donc qui est aujourd'hui. Donc maintenant que c'est fait, j'ai récupéré mon compte et je me suis fait directement un sacrieur et j'ai gardé le même stuff que sur mon yop. Donc pas de greffe, Tami, Glourson, Capdiondin, bref, j'ai seulement mis un boîte de feu au lieu de d'un Mudo. Tout simplement parce que voilà, je voulais vraiment mettre le Rox maximum et que la piotre rouge malheureusement coûtait genre 60 millions sur la bêta. Mais bon. Pour compenser, du coup, j'ai mis un petit bonbon qui donne 50 d'intelligence. Donc, ça compense pas entièrement le fait de pas avoir de piout. Mais voilà, voilà, on se rapproche, voilà, on se rapproche de l'intelligence qu'on aurait avec une piout. Donc, en tout cas, nous allons tester ça. Donc, j'ai pas encore testé la classe. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne, comment on peut se booster et tout. Mais je n'ai pas encore testé, voilà, le Rox. Donc, pour commencer, je sais que le châtiment de les rochers. De l'écorcher, pardon, va nous booster de 20%. Donc voilà. Et que lorsqu'on va tomber à moins 50%, à moins de 50% de nos points de vie, ça va encore nous booster de 30%. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va tout simplement se taper. Donc voilà. On va se full bourriner jusqu'à tomber à moins de 50%. Je vais vous montrer quand même mes stats. Donc j'ai 1245 en intel, 454 d'agilité pour mettre les dagues Eri. Donc j'ai 330 de puissance. J'ai. Ouais, en fait j'ai pas 330, j'ai 130. Tout simplement c'est à cause du 200 de bonus de puissance. J'ai 101 dommages feu fixe et j'ai 56 dommages critiques, donc ce qui est vraiment pas mal. Bon, voilà, on est en pas de greffe quoi. Alors on va full se bourriner. Hop hop, fuck, j'aurais pas dû mettre le dos coco par contre parce que ça va nous soigner, du coup ça va nous faire chier ça. Aïe aïe aïe. J'avais pas pensé à ça malheureusement. Donc voilà, on est en dessous des points de vie. Donc du coup, normalement au prochain tour, on devrait passer en mode full dégâts. Donc c'est parti, on va se mettre notre maîtrise. Ah dommage, pas eu de CC. Mais bon, vous allez voir que le Rox, voilà. Moins 1790. Oh yo yo. Et ben 100 tape jusqu'à moins 1943. Holy shit. Et dans motivante, moins 1500. Ça, moins 1200. Ouais, attendez, on va faire un petit bain de sang en coup critique, please. Oh là 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 là, moins 1880. Aïe aïe. Et les petits coups de dague, voilà, qui montent jusqu'à moins 1800. Oh là 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 là. Oh là là, l'abus. L'abus. Putain, j'ai tapé 1800, 1759 et 1647. Oh là là là. C'est tout simplement cheaté. Regardons un peu encore le Rox. Bon, là, j'ai plus mon 200 de puissance. Donc, je vais me rebooster avec un petit tac tac tac, douleur motivante ici, comme ça. Oh, regardez-moi le Rox, carrément, c'est complètement épique. Allez, on fait une petite douleur. Bim! En coup critique en plus. Bon, ça nous tape beaucoup quand même, mais bon. Oh, on est 1830. Bon, dommage, j'ai pas cessé sur le deuxième jet, mais vous voyez que c'est complètement épique. Donc, quel sort que je pourrais tester? Oh oui, Flammish, j'ai oublié de tester Flammish. 225 de puissance, c'est bon normalement. Vous voyez Flammish qui monte jusqu'à moins 589. Et j'ai pas nébuleux, hein, les gens. J'ai pas nébuleux. C'est complètement cheaté, les amis. Voilà, moi je kiffe, franchement. Ça rock plus qu'un Yop, carrément. C'est complètement cheaté. Bon, en fait, c'est pas cheaté parce que ça vous tape énormément aussi. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça me tape. Exemple, je suis un bain de ça me tape quand même de 600 presque. Ouais, c'est pas complètement cheaté, mais moi franchement je kiffe. Franchement, j'adore les classes Roxor comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait un Yop, c'est que j'aime bien Roxy. Mais franchement, là c'est complètement épique quoi. Taper du moins 1800 au Daguerri sans avoir de nébuleux. Donc imaginez avec un nébuleux, je ferais du moins 2100 environ, moins 2150 par coup. Voilà quoi. En plus, je pense que j'ai même pas cessé à la maîtrise. Donc ça me donne juste envie de tester avec un CC à la maîtrise. Donc du coup, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve pour un nouveau putsch quand j'aurai CC maîtrise. Donc voilà les amis, on se retrouve sur un autre putsch. En même temps, je vais vous montrer mon mode agi. Parce que oui, comme je suis en pas de greffe, je tape quand même assez bien en agi. On va regarder.
Hop, juste voir sans les. Voilà, ça tape quand même assez bien. Hop, une petite traversée. Bon, en même temps, la classe AG, c'est pas vraiment la classe qui rocks le plus, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, je fais quand même des petits dégâts assez sympathiques. Donc, si, voilà, si jamais ça vous tente de taper AG avec ce mode, c'est très bien possible. Donc, voilà, les amis, on se retrouve pour un combat dans lequel j'ai CC maîtrise. Donc, voilà, vous voyez, ça monte jusqu'à moins 1851. Et je pense qu'on peut encore faire ça, faire monter ça plus haut si je fais un petit CC. Voilà, donc moins 1863, donc presque moins 1900, c'est complètement cheaté. Oh my god. Oh my fucking god. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde, à la prochaine.